Voilà. Comment planter son corossolé? Vous voyez, là, on a un corossolé qui a pratiquement 7 mois en pépinière. Le système racinaire est déjà bien développé. La mode était bien formée. Le plant a déjà pratiquement 40-50 cm de hauteur. Ça, c'est en fait des trous qu'on avait préparés au préalable où on avait mis des plants d'avocatier greffés. Mais malheureusement, avec la sécheresse, il est mort. Donc, on va juste, comme c'est déjà un trou qui est déjà bien riche en matière organique, là, vous pouvez même regarder la texture du sol. C'est bien visible. On va remplacer par ce corossolé qui est encore bien portant. Et puis, on va utiliser la mocap pour désinfecter le sol. Donc, la profondeur, elle est déjà connue. On est dans les 30 à 40 cm de profondeur. Et puis, on met notre plant. Alors là, on va marcher comme ça pour être sûr que le sol est bien, bien solide. Voilà. Le bâton ici, c'est juste pour vous signaler quand il y a les travaux. Il y a une plante qui est là. Là. Avec ça, vous êtes sûr que le plant, il a été bien planté. Et on va juste venir avec la mocap pour traiter le sol contre les nématodes et les champignons. Et puis, le champ, il est parti, quoi.